Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici le surfeur. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actualité. Je me force pour vous sortir une petite vidéo avant de partir au travail. Sinon je vous l'aurais sorti un peu plus tard. Donc on va aller voir un peu toutes les actualités qui sont sorties ces derniers jours et vous parler de certains aspects, histoire toujours pareil de vous orienter sur ce qui est utile ou non. Voilà, comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre de mes futures vidéos. Et si vous voulez me soutenir gratuitement, la meilleure des façons, c'est de regarder la vidéo dans son intégralité et de mettre un petit pouce en bas de vidéo ainsi que de mettre des petits commentaires. Vous aurez bien sûr dans la partie description en dessous de la vidéo toutes les informations qui peuvent vous être utiles, que ça soit des codes bonus pour avoir des cadeaux gratuits, des sites qui référencent ces fameux codes bonus, des wikis pour savoir comment un peu orienter vos commandants, tout un tas de liens, la communauté FR Discord pour trouver des clans, mon Discord si vous avez besoin de trouver du monde aussi pour jouer ou pour rentrer en contact avec moi de manière plus simplifiée. Voilà, je vous laisse avec tout ceci en bas de vidéo, vous verrez tout un tas de liens. C'est gratuit, c'est pour vous. Allez, on commence sans plus attendre dans cette petite partie actualité où bon, moi j'ai déjà lu toutes les notes, bien entendu, et on va un peu les récapituler. Bon, certaines ne sont pas forcément nécessaires. Une que je trouve utile de vous parler, qui est un peu vieille, c'est la note sur le public test. Comme vous le savez, souvent, je vous le dis, surtout quand on est un nouveau joueur, il est très intéressant d'aller participer à cette public test pour aller gagner tout un tas de jetons de communauté très rapidement, très facilement, mais pas seulement. Vous allez gagner aussi des jours premium. Vous voyez, dans ce conteneur, il y a des jours premium, de l'XP, des pavillons très puissants, enfin les plus intéressants du jeu, Juliette et Charlie, à mon sens. Voilà, on peut gagner tout un tas de choses. Je vous laisserai lire en détail cette petite note. Les public tests sont régulièrement mis en place. Franchement, c'est très rapide de faire les missions qui demandent pour avoir les gains sur le serveur officiel. C'est-à-dire que, bon, la plupart d'entre vous le savent déjà, pardon. Mais je le répète. En allant sur le public test, vous allez pouvoir tester tous les navires que vous souhaitez gratuitement. Vous allez pouvoir vous permettre de tester tout ce que vous souhaitez, toutes les dépenses de crédit, de doublons, etc. que vous allez faire sur le serveur test n'impacteront pas votre game standard, votre game officiel, votre serveur actuel, là où vous jouez sur le serveur officiel. Donc vous pouvez vous faire plaisir et tester tout ce que vous souhaitez, tester des talents de capitaine, tester des navires, aller acheter des super navires, aller acheter des navires tier 10 pour les tester, histoire de vous donner une ordre d'idée. Tout ça, c'est possible sur le serveur test. Mais en plus de jouer un petit peu sur le serveur test, vous allez gagner plein de jetons de communauté. Jetons de communauté qui, à terme, vous permettent bien sûr d'acheter des navires premium gratuitement, mais pas seulement. Ainsi que, voilà, comme ça donne des bonus comme ça, comme le parrainage. Parrainage qui est indispensable si vous débutez le jeu. Ne commencez pas le jeu sans être parrainé. Ou si vous êtes un ancien joueur qui a envie de revenir après plus de 3 mois d'absence, vous pouvez aussi vous faire parrainer et gagner des récompenses. Je vous laisserai en haut à droite un petit épinglé, ma vidéo sur tous les bonus et toutes les explications du parrainage. Parce que je peux bien sûr vous parrainer. Voilà, ne loupez pas le serveur test, allez-y, surtout si vous êtes un nouveau joueur. Même moi qui joue depuis plus de 2 ans, j'y vais régulièrement, les récompenses sont vraiment très intéressantes et rapides à faire en très peu de temps. Donc voilà, ça c'était pour la note du serveur test. Après ils nous parlent, ils nous ont fait une petite note sympa. Les développeurs sont de plus en plus vraiment compétents dans la manière de nous expliquer les choses, même si ça manque parfois, je trouve, de clarté. Là ils nous ont fait toute une note ici, là, comment jouer les croiseurs espagnols. Ils nous ont fait un petit tuto en anglais, on n'en est pas encore là bien sûr, il n'y a pas de chaîne officielle FR des développeurs.
Mais ils nous ont quand même fait des vidéos, des explications sur comment jouer les navires croiseurs espagnols avec les améliorations conseillées et tout un tas de conseils. Je trouve ça extraordinaire. Il était temps, après 8 ans de développement, qu'ils nous fassent de plus en plus d'informations, même si je trouve qu'il y manque encore beaucoup d'informations. Typiquement, on pourrait dire que je reproche qu'ils n'apparaissent pas en jeu sur un navire premium quand on va dans équipement. Ils nous disent pas de combien de crédits ces navires sont plus intéressants parce qu'ils n'ont pas tous cette option. Il y a des notions, tout comme le coût d'entretien réduit, il y en a qui ont des coûts d'entretien réduits plus ou moins puissants que d'autres. Tout ça, c'est pas encore stipulé. Ça serait intéressant qu'ils y mettent les pourcentages affichés directement en jeu. Mais ils sont en bonne voie. Franchement, je suis très content de voir le travail qu'ils fournissent, même si c'est un peu long. Pardon. Je suis en train de chercher le site sur lequel j'étais en train de vous présenter la note. Désolé, je m'embrouille moi-même. Non, mais c'était directement en jeu en fait. Voilà. Donc je retourne dans l'actualité et on peut donc ensuite aller voir plus de récompenses pour la public test. Bon, c'est pour les joueurs élites, hein. Ils nous disent que, bon, bien sûr, la première fois qu'un joueur va sur la public test, il va gagner 250 doublons, des conteneurs, plus de charbon, tout ça, tout ça. Après, il y a tous les bonus standards que vous avez vus dans la note public test en amont. Et il nous explique que pour les meilleurs joueurs qui obtiendront le meilleur taux d'XP dans une opération ou une bataille aléatoire, ils donneront pour les 20 meilleurs un navire premium rang 5 ainsi que 30 jetons rafle. Pour les 10 meilleurs top 6-10, un navire premium tier 6 et 75 jetons rafle. Pour le top 5, un navire premium tier 8 ainsi que 200 jetons rafle. C'est très intéressant. Mais c'est quand même pour les 20 meilleurs joueurs, vu les milliers de joueurs qui sont actif, moi je me fais pas d'illusion, je ne vais pas chercher à avoir ce gain là. Je suis de très loin pas un joueur exceptionnel, même si je suis plutôt bon. Je n'ai pas la prétention de pouvoir gagner ce genre de récompense, donc je ne m'y attarde pas. Ils nous disent aussi qu'ils vont faire un tirage au sort, qu'il y aura une tombola et qu'il y aura 100 gagnants pour 30 jetons rafle. Bon, je trouve que 30 jetons c'est assez ridicule personnellement. Donc je ne vais pas m'y attarder. Pour ceux qui ne seraient pas ce que sont ces jetons rafles, on va aller le voir, bien que normalement vous le savez, j'avais fait une actualité sur l'anniversaire. Donc c'est ce monde parallèle, c'est ce qui concerne l'anniversaire. En jouant vos navires, vous gagnez des jetons rafles et ensuite vous avez des récompenses. Donc les plus intéressantes pour ceux qui pouvaient se le permettre, évidemment, c'était d'acheter le navire premium, le Bayard, pour 6250 jetons, ce que j'ai pu acheter. Puisque moi j'avais plus de 12 000 doublons après avoir joué tous mes navires. Il proposait un coupon pour acheter le navire de son choix à moins 50%. Enfin, pas le navire de son choix, mais parmi cette liste. Et parmi cette liste, il y a quand même plein de navires très très intéressants. Donc pour 3125 jetons rafle, on pouvait avoir un coupon moins 50% sur le coût en doublon d'un de ces navires. Je sais que moi le terrible aurait pu m'intéresser et bien d'autres. Bon, je ne l'ai pas pris pour des raisons personnelles, parce que je préfère être un collectionneur avec les boîtes de Noël. Après, de très intéressant pour les nouveaux joueurs, il pouvait y avoir aussi ces boîtes là de rétro qui nous permettent d'avoir un bonus économique qui nous permet, comme je vous l'avais expliqué, de transformer un navire gratuit en navire plus intéressant économiquement. Ça ne le transforme pas en un premium officiel, mais ça le transforme en un semi-premium, on va dire. Le navire vous rapportera beaucoup plus de ressources, mais vous n'aurez pas le coût réduit en entretien, vous n'aurez pas la possibilité d'y mettre le capitaine de votre choix dessus. Enfin bon, voilà. Ça reste quand même très intéressant de pouvoir mettre un bonus économique permanent comme ça sur un navire que vous aimez beaucoup jouer. Et après, pour moi, l'aspect le plus intéressant,
de tout ce qui était possible, c'était tous les 200 jetons d'acheter un super conteneur. Avec beaucoup de chance, vous auriez la possibilité d'avoir un navire premium. Et sinon, de toute façon, les récompenses qui sont dedans sont assez intéressantes, même quand vous n'avez pas un navire premium. Bon, voilà. Et tous les 200 ouvertures d'un super conteneur, vous êtes garanti d'avoir un navire. Ça fait beaucoup, mais sur la longueur, on gagne quand même régulièrement des super conteneurs entre des missions, des événements, et même quand on ouvre un conteneur comme ça, les 3 conteneurs par jour, en choisissant le conteneur plus de charbon, il y a un faible pourcentage de chance que ça se transforme en super conteneur. Donc vous avez quand même sur la longueur la possibilité. Moi, vous voyez, ça fait 2 ans, plus de 2 ans et demi que je joue, je ne sais plus exactement, un peu plus de 2 ans. J'ai ouvert les fameux 200 super conteneurs et j'ai eu mon premier navire premium dans un super conteneur. J'ai pas eu de chance du tout, c'est à dire que pour en revenir à cette actualité ou même dans l'armurerie, comme on nous explique, hein, je vous ai montré, le super conteneur nous permet au bout de 200 ouvertures d'avoir un navire premium, mais sinon il y a un pourcentage de chance d'avoir un navire, ce qui, selon la moyenne, au bout de 100 conteneurs, si vous avez une chance standard, tous les 100 conteneurs, vous avez un navire, puisque 100 multiplié par 1, ça fait 100%. Moi, j'ai pas eu de chance du tout, donc j'ai eu mon premier navire au bout des 200 ouvertures. Mais c'est toujours intéressant. Voilà. Et comme je disais, dans tous les cas, il y a des gains intéressants dans les super conteneurs. Bon. Donc moi je sais que j'ai eu pour la première fois, j'ai en gros en 2 ans, c'était pour vous dire qu'en 2 ans, 2 ans plus, en jouant régulièrement, même si j'ai fait une belle pause à un moment donné, j'ai eu 200 super conteneurs. Voilà, ça vient régulièrement tout de même. C'était juste pour vous stipuler ça. On retourne dans l'actualité. Il nous parle du Prime Gaming, bien sûr, si vous avez un Prime Amazon qui vous sert à vous abonner gratuitement à une chaîne, qui vous sert à gagner des cadeaux sur tout un tas de jeux, et ben là ils nous ont mis un petit lot où on gagne ces 3 conteneurs et l'XP libre. Donc il suffit de cliquer sur récupérer, d'associer votre compte Prime Gaming à votre compte de jeu. Tout ça, je l'explique dans ma vidéo tuto, tout ce qu'on peut associer à son compte, les choses qui sont très importantes à faire. Donc je vous invite à aller trouver cette vidéo où je vous ferai un petit épinglé en haut à droite, vous rapatriant sur la vidéo que j'ai faite à ce sujet, pour que vous ayez toutes les choses intéressantes à votre Prime, à votre compte, enfin que ce soit le Prime Gaming, la chaîne YouTube, le Steam, tout ça, pour avoir des cadeaux supplémentaires. Des fois ils offrent des navires premium. Voilà, ils vous expliquent aussi ici qu'est-ce que contient un super conteneur avec les pourcentages de chance, chose qu'on pouvait déjà voir tout à l'heure, sauf que je trouve que c'était plus clair affiché ici. Ils ont ajouté dans l'armurerie Scarlet Thunder, Leipzig, etc. Bon, des événements qu'ils font très régulièrement. Ils nous expliquent qu'il y a un tier 9, un vrai cuirassé tier 9 premium qui sera du coup possible à gagner avec d'autres lots. On va y venir après dans l'armurerie. Ça, c'est ce qu'ils ont ajouté dernièrement. Et les inscriptions pour les King of Sea, qui est un événement très intéressant où on peut gagner des très très belles récompenses, mais il faut être déjà un bon joueur, avoir une équipe, et voilà, pour participer, il y a des très beaux lots. Je sais pas s'ils parlent des récompenses. Si, voilà. Voilà, ils expliquent que les 4... les premiers auront ces gains-là, ceux qui sont dans le top 8, ces gains-là, top 16, ces gains-là, top 32, ces gains-là, top 88, c'est ceux-là, ces gains-là. Donc même dans le top 88, je pense que c'est accessible à pas mal de gens. En vérité, c'est toujours intéressant d'aller choper, si vous avez le temps, moi, avec mon travail et les horaires que j'ai. Vous voyez, je travaille les week-ends, je peux travailler les jours fériés, les nuits, etc. C'est difficile pour moi de participer au King of Sea parce que je peux pas respecter les horaires. Voilà, c'est intéressant d'aller chercher assez facilement 2250 doublons, 1750 acier, quelques camouflages, quelques bonus économiques. Voilà, je trouve que c'est quand même sympa, donc sachez-le. Mais pour ça, il faut une équipe. Et après, il nous parle des navires qui sont totalement bannis des King of Sea actuellement. Donc, le Louisiana est complètement banni, le Nevsky est complètement banni, le Brisbane est complètement banni. Il nous explique qu'il pourra y avoir qu'un seul Moskva
ou Petro ou Saint-Vincent, en fait, je sais pas. En fait, je pense que c'est soit... Je sais, pour moi, c'est pas clair la manière dont c'est écrit. C'est soit il y a droit à un de chaque possible, ou c'est un seul de ces trois. C'est-à-dire que si vous jouez le Mosva, il peut pas y avoir de Saint-Vincent, pas de Petro. Si vous jouez un Petro, il peut pas y avoir de Mosva ou de Saint-Vincent. Pour moi, c'est pas très clair. Est-ce que c'est un des trois ou est-ce que c'est un de chaque? C'est-à-dire qu'on peut avoir un Saint-Vincent, un Petro, un Mosva. Ici, ils nous disent qu'on peut avoir un maximum de trois de ces navires-là, un maximum de un de ces navires-là et un maximum de un de ce navire-là. Bon, à définir si vous êtes intéressé par les King of Sea. Je pense que de toute façon, si vous êtes intéressé par les King of Sea, l'information ici pour vous, elle est très claire et vous savez de quoi ça parle. Sauf que moi, j'en ai jamais fait, donc je ne peux malheureusement pas vous aiguiller parfaitement. Allez, on va dans l'armurerie pour parler du coup de la voie du progrès qui a été ajoutée très récemment. Donc comme d'habitude, si vous avez une chance de cocu et que votre premier lot est le tier 9, comme je le dis souvent, vous le savez maintenant, pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais eu la chance d'avoir en premier lot le meilleur des lots. Mais si vous l'avez... Même pour 200 doublons, ça vaut largement le coup de dépenser 2000 doublons, pardon, excusez-moi. 2000 doublons pour avoir le tier 9 cuirassé S-Thunder tous les jours. N'hésitez pas une seule seconde. Donc voilà. Moi, ben, du coup, mon premier lot, puisque c'est aléatoire à chacun, hein, c'est propre à chacun. N'hésitez pas à me partager vos images sur mon Discord ou en commentaire si vous avez eu cette chance d'avoir en premier lot le S-Thunder. Je suis curieux que vous me partagiez ça et partagez votre joie avec vous. Voilà, bon, moi ça m'est jamais arrivé en 2 ans, en plus de 2 ans. Et si jamais vous êtes intéressé pour avoir absolument ce S-Thunder, sachez que ben, si il faut avoir les 31 lots, 50 000 doublons, c'est énorme, c'est 162 euros. Je ne vous encourage pas du tout à aller faire ça. Mais si vous voulez quand même aller le chercher pour une raison X ou Y, sachez que ben, vous aurez tous les lots et chaque lot contient des bonus différents. Donc on peut savoir que la cassette technologique contient 50 jetons du progrès et les bonus à côté. Si on clique sur la locomotive volante, on voit qu'on a 50 jetons du progrès et les bonus à côté. L'hôtel de la lune, 20 jetons du progrès et les bonus à côté. Je vais pas tous vous les faire, mais du coup, si vous faites le choix d'acheter pour 160 euros la totalité de ces gains, vous aurez non seulement ben, tous les gains qui sont là et le S-Thunder, mais vous pourrez aussi dépenser vos jetons du progrès pour acheter les lots qui sont proposés avec les jetons du progrès. Donc soit le camouflage permanent pour le Minsk, on n'achète que le camouflage, pas le bateau. Soit vous pourrez avoir la mission commandant, pardon, un commandant à 10 points, un bonus de 100% d'XP, tout ça, blablabla. Et a priori, le croiseur premium tier 6 Leipzig, donc ce lot est pas dégueulasse si vous avez décidé, vraiment, ce que je vous conseille pas, hein, que les choses soient claires, moi je vous le conseille pas. Si vous avez décidé d'aller avoir plein de jetons du progrès, ben, ce lot est très intéressant. Ici, ce sont uniquement des camouflages, donc pour 160 jetons du progrès, vous aurez uniquement le camouflage permanent titan de la science, donc on peut voir l'esthétique qu'il a. C'est des navires qui sont jolis, hein, on est d'accord, mais ce n'est que de l'esthétique. Donc bon, moi tout ce qui est esthétique, dépenser mon argent pour que de l'esthétique, ça ne m'intéresse pas. J'en suis pas là, je suis pas richissime, donc là c'est pareil. La voie du progrès, camouflage permanent pour le Delny. Voilà, c'est des camouflages, c'est des esthétiques qui sont très jolies, hein, on va pas dire le contraire, mais ça ne change pas la puissance du navire, donc encore heureux j'ai envie de dire même. Mais 160 jetons du progrès pour ça, non merci. Il vous explique que si malgré tout vous voulez faire autrement, que vous n'allez pas acheter tous les lots ici, eh bien, vous pouvez aussi décider pour 8,23€ d'acheter 8,23€ x 3 pour avoir 150 jetons du progrès et aller chercher peut-être ce pack. Ça revient quand même à, vous voyez, 8 x 3, on va dire, on va arrondir à 24€. Ben, c'est 24€ pour un tier 6, franchement. Non, non, les gars.
Enfin, moi, je vous le conseille pas. Et si vous avez décidé d'aller faire tout ça, toujours pareil, vous aurez plein de jetons du progrès. Ben, vous pouvez décider d'aller soit chercher âge d'or de l'industrie qui vous dit que vous avez 0,3% de chance d'avoir un navire qui est dedans. Donc, autant vous dire que vous ne l'aurez pas. Hein, ou 833 ouvertures pour avoir un des navires. Plus les autres bonus qu'il y a dedans, bien sûr. Après, si on y va plutôt le chercher pour les autres bonus qui sont dedans. Ou ravitaillement aérien, donc pour 25 jetons vous avez 4% de chance d'avoir un porte-avions de la liste. Bon, pareil, 4% de chance, c'est pas épais, donc comptez pas trop dessus. Et le nombre d'ouvertures, voilà, au bout de 50 ouvertures de ces conteneurs vous avez de garantie un porte-avions. Voilà, vous savez à peu près tout. Moi, toutes ces offres là en général, ça vaut pas le coup, hein. Vaut mieux vous économiser clairement pour les Black Friday. Et j'ai cru avoir des petites spoils des Black Friday 2023 qui arrivent dans un ou deux mois, hein, où ça va être très très croustillant. Ils ont l'intention, c'est des rumeurs, attention, c'est des rumeurs, je suis pas sûr, de rajouter des navires qui sont... En tout cas, j'ai entendu parler d'un destroyer ou d'un cuirassé qui serait ajouté, qui serait pépite, qui serait très très bien d'avoir durant les Black Friday. Ça sera un navire très puissant. On verra. On verra. Je vous en reparlerai lorsqu'on y sera. On refera un topo. Je referai une petite vidéo comme l'an dernier pour vous parler des Black Friday. J'essaierai de me faire entourer de joueurs très très compétents pour m'aider à vous orienter vers les navires peut-être les plus performants pour que vous puissiez faire un choix. Voilà, la vidéo est finie là-dessus. C'était le surfeur pour vous servir. Je vous souhaite un excellent dimanche. Pour moi, ce sera une journée de travail qui se finira à 22h. Des gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.